to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. The bit been fucked, your feelings. The way she suck my soul, I need some spit. Oh my lord, oh my god, that girl train to go. Any hour, any minute, man, she done. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, bon, la plupart normalement vous connaissez. SoShape, en fait, c'est du coup, c'est pour perdre du poids, pour maintenir son poids, pour toutes ces choses-là. En plus de ça, c'est même trop bon. En fait, donc même pour un petit encas, moi, je sais que j'aime trop. Moi, mon préf, c'est le cookies and cream. Donc là, je suis contente parce que j'en ai reçu. Vous avez aussi en salé. Et en fait, ça va remplacer un repas. C'est-à-dire que c'est très bien. Moi, je trouve que c'est trop, trop bien pour perdre du poids, bien sûr. Et pour maintenir votre poids. Dans le sens où, par exemple, vous allez manger votre petit-déj normalement, un repas du midi correct et un petit shaker le soir. Vous êtes tranquille et ça vous apporte tous les minéraux nécessaires. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez votre petit berlingot que on va verser dans le petit shaker. On ferme le shaker. On secoue et on déguste. Là, je suis en terrasse, donc très compliqué de le faire. Je vais le faire et je vais le déguster devant vous. Donc là, en fait, j'ai rempli mon eau dans le shaker. Autant vous dire que là, franchement, je suis en galère. Parce que du coup, je suis dehors, mais c'est pas grave. Il a été trop gentil, le barman. Il m'a dit oui, vous voulez eau chaude, tempérée. Donc on a fait tempérée. Et là, il faudrait que j'ouvre. Donc c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc là, en fait, je vais verser ma poudre, tout mon petit berlingot inside. Voilà. J'ai trop hâte parce que c'est trop bon. Merveilleux, gorgeous. Et là, je vais secouer, mélanger, checker et déguster. Attendez. J'essaye de bien fermer parce que je suis du genre à laisser ouvert et... bonsoir. C'est bien fermé. Et là, on secoue, on agit. Et là, en fait, ça va donner ça. En fait, c'est trop bon. Ça a le goût des... je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vous le dis, ça a le goût des Oreos. C'est trop bon. En plus, vous avez des petits morceaux de biscuits et tout. Et ça, c'est pour maigrir. Voilà. Du coup, évidemment, vous avez un petit code promo pour prendre soin de votre ligne. Et c'est Persolena que je vous mets juste ici. C'est archi bateau ce que je vais te dire, mais on se relève de tout. Et une amie qui t'a trahi, ce n'était pas une amie. Ou du moins, c'était quelqu'un de toxique pour toi. Donc, next. Vraiment, genre, ça va passer. Il y en a d'autres des gens. T'inquiète pas. Très bien. Il y a aussi quand même pas mal de questions perso. Donc le but c'est de répondre à vos problèmes, mais s'il y a des questions récurrentes, j'y réponds. Donc en l'occurrence, bah, c'est juste que je ne joue pas de rôle et que je serai toujours moi en fait. Je serai jamais différente, que ce soit pour un job ou quoi que ce soit. Moi, à ta place, ça ne me rendrait pas forcément inquiet. C'est juste qu'il faut que vous appreniez à concilier vos deux mondes et que l'un et l'autre soient prêts à faire les concessions pour s'intégrer dans le monde de l'autre. Genre, je connais plein de couples qui sont complètement différents et pour qui ça fonctionne de ouf. C'est juste qu'il faut que vous soyez prêts tous les deux. À ne pas se remettre d'une relation et y penser. Y penser, c'est normal. Genre, moi, ça m'est même déjà arrivé de repenser, mais vraiment en mode de genre limite, il me manque et tout, à une personne alors que ça faisait genre des années qu'on n'était plus ensemble. Mais il faut que tu avances dans tous les cas. Et si vous êtes fait pour être ensemble, vous trouverez. Mais en soi, il faut que tu avances. Il faut vraiment que tu avances parce que c'est une relation qui s'est terminée. Elle s'est terminée pour certaines raisons. Et peut-être qu'une autre personne pourra t'apporter beaucoup plus, mais peut-être que tu te bloques justement à trop penser à ton ex. Oups, my heart went. Oh, ouch. Ah, c'est ouf. J'ai eu exactement la même histoire et ils se séparaient genre du même temps de relation. Enfin, je crois. Genre ouf. Bah, c'est pas une galère en vrai. Ça s'est bien passé. En plus de ça, très compliqué. Le mec était toxique à la base. Il a changé. En vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, le truc c'est que j'aime tellement faire plein de trucs. Que je sais pas si c'est possible. Genre, si je faisais une chaîne YouTube, genre, il y aurait genre des questions, du make-up, de la bouffe, des trucs drôles, des défis, des vlogs, il y aurait tout. La vérité, cette question, elle est un peu compliquée parce que j'ai pas eu d'ennemis dans cette aventure. Après, forcément, j'ai eu des coups de cœur. Donc, en fait, je vais vous mettre un coup de cœur féminin, un coup de cœur masculin, comme ça, ça va me faciliter la tâche. Ça, j'ai même fait archi rire parce que en ce moment, je sais pas pourquoi, sur TikTok, j'ai que des tirages de cartes, genre. Et alors, si je les écoute le 11 décembre,
j'ai une personne qui revient dans ma vie. Le 16 décembre, je vais tomber sur l'homme de ma vie. Enfin bon. En vrai, je vais te dire un truc, et ça vaut pour tout le monde. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu une psy. Et j'étais allée la voir, et je me rappelle que je lui avais dit, ouais, j'ai vachement honte de venir vous voir, parce qu'au final, genre, bah moi, c'est des problèmes de merde, genre, c'est un mal-être, etc. Et alors qu'il y a des gens, ils viennent vous voir parce qu'ils ont perdu quelqu'un, parce qu'ils ont vécu des choses graves. Et j'avais honte, en fait, du coup, d'être chez la psy, de lui prendre du temps, alors que sûrement, il y avait des personnes qui étaient plus dans l'urgence. Et en fait, elle m'avait dit, bien sûr, en fait, il y aura toujours pire, mais chaque problème a son importance. C'est-à-dire que demain, il y a des choses qui ne sont pas importantes pour vous, qui le seront pour d'autres. Et ça dépend de la sensibilité de la personne, ça dépend de son passé et d'énormément de choses. Et puis les coups de mou, ça arrive à tout le monde. Et moi, personnellement, comment je surpasse ça? Bah, généralement, justement, je le surpasse pas. Je me mets un peu dans mon bad mood à mort. Et après, une fois qu'on a bien poncé le bad mood, après, je vous jure qu'après la pluie, le beau temps.